Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour notre nouveau culte en ligne et diffusé sur notre chaîne YouTube. C'est une grâce, une réelle bénédiction de la part de notre Seigneur que nous avons justement de pouvoir toucher le cœur de frères et sœurs qui n'ont pas pu se rendre en présentiel dans notre salle de culte ou qui sont peut-être à l'étranger dans un autre pays, de pouvoir assister à notre culte, de pouvoir louer le Seigneur avec un cœur rempli d'amour pour notre Dieu. Avant de démarrer notre culte et de pouvoir justement chanter, louer les bienfaits de notre Seigneur, je vous propose que nous prions et que nous remettions ce temps dans les mains de notre Seigneur. Voilà Père, c'est un cœur rempli d'amour pour mon prochain. C'est avec plein d'amour, Seigneur, que nous nous présentons ce matin dans ta maison, qui n'est pas seulement un bâtiment, qui n'est pas seulement des murs et un toit, Seigneur, mais c'est également... la maison que tu habites dans notre cœur. Et c'est une réelle bénédiction que nous avons, Seigneur, de te connaître. Et c'est une réelle bénédiction, Seigneur, que tu te sois un jour présenté à nous. Seigneur, nous souhaitons d'un cœur uni te remettre ce temps, que tu puisses accueillir avec joie, avec amour, avec plaisir notre louange. Et bénis nos cœurs, bénis notre intelligence aussi, dans la compréhension du message qui va nous être apporté. Voilà, je vous souhaite un bon culte à tous, une bonne louange et je vous retrouve pour la fin de notre culte. Ton amour est là, ton amour est étonnant, fidèle et sans changement, ton amour est un roc, solide sous mes pieds, ton amour mystérieux me protège en tout. Me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'appelles, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, oui, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh, ton amour est là, oui, Alléluia, 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 ton amour est là, oh, Alléluia, 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 ton amour est là, ton amour me surprend. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, oh Alléluia, eh. Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Présent. Jamais, jamais ton amour ne nous quittera. Jamais, jamais. Rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous venons dans ta présence, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous venons célébrer ton amour, Seigneur Jésus. Nous venons célébrer qui tu es, Seigneur. Merci Jésus.
Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oh, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oh, je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Chaque jour être avec toi. Te suivre. Jour après jour, te suivre, Dieu. Entendre ta voix, écouter ta voix, oh Dieu. Sois le Créateur de toutes choses. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oh. Ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais à
soir. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et l'éternité. Oh, toi seul, toi seul, Jésus est dit. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Oh, Père, la joie, la vie et le bonheur sont d'entrer parmi mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh, oh. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh, Père. Toi seul est digne de recevoir la louange et la gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, nous chantons. Alléluia. Exactement. Oh, pour l'éternité.
l'éternité. Nous te louerons, nous te glorifions. Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler un peu de ce chapitre parce qu'il y a un moment intense, il y a un moment dramatique. Le chapitre 4, c'était l'hymne donné au Créateur, à Dieu qui crée toutes choses. Mais ici, nous avons une présentation. Celui qui est assis sur le trône, Dieu, il a dans sa main un rouleau. C'est ce rouleau, c'est celui qui va vous être montré ou qui vous est montré par cette image. C'est un parchemin, un rouleau, comme on le fabriquait en ces temps-là, où on écrivait à l'intérieur sur des peaux d'animaux ou du papyrus. Et ces rouleaux, eh bien, là, celui-là, il est en particulier parce qu'il est, écrit au-dedans et au-dehors. Donc, il est scellé de 7 sceaux, mais nous allons commencer à parler de ce rouleau, de ce livre qui est écrit dedans et dehors. Il y a quelque chose qui peut ressembler à... On peut trouver une explication. À l'époque, certains mettaient comme un résumé sur le verso. Donc les gens pouvaient avoir un peu un aspect de ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit cette explication. Puisqu'il y a un mystère, il est scellé, il est interdit. Donc quelque part, le fait qu'il soit écrit dedans et dehors, sur les deux faces, m'amène à réaliser que ce livre est complet. On ne peut rien y ajouter. Il n'y a pas la place d'y ajouter quoi que ce soit. Nous avons là donc une plénitude d'une révélation. Révélation scellée, c'est-à-dire qui appartient à Dieu. Elle est dans les mains de Dieu. Elle n'est pas dans les mains des hommes, elle n'est pas dans les mains des anges. Nous avons donc là quelque chose qui est impressionnant. Devant cette vision, une voix forte se fait entendre et qui dit à toutes les créatures, qui est digne de prendre ce livre? Et donc on cherche, on regarde, on s'attend à ce qu'il y ait un être angélique, je ne sais pas qui, on cherche, on ne trouve pas. Aucun être humain, fût-il le plus célèbre ou le plus sage, aucun ange, quel que soit son degré, personne n'a été trouvé digne. Et il y a là comme une intensité émotionnelle, puisque le voyant, donc celui qui est là et qui voit Jean, il pleure. Il pleure. C'est pas un pleurnichard, Jean. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est facilement impressionnable, surtout à son âge et après avoir vécu tout ce qu'il a vécu. Mais là, il est impressionné parce qu'il y a une intensité dramatique voulue. Il faut que ce qui est dans ce livre soit connu, soit révélé. Il y a là une dimension qui nous dépasse. Alors la question se pose, quel est le thème de ce livre? De quoi parle-t-il? Alors certains ont réduit ce livre en disant « c'est l'avenir ». Mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, comme le thème général de ce chapitre, si je le respecte, c'est la rédemption. C'est l'agneau racheté. Il est question de louange à plusieurs reprises de celui qui nous a rachetés. Alors, s'il est question de l'agneau comme immolé et racheté, nous devons réaliser que la rédemption est double. Vous avez une dimension qui est celle du sacrifice. C'est la raison pour laquelle nous avons l'image d'un agneau. En grec, le mot qui est employé, arnion, veut dire un agnelé ou un agneau domestique, c'est-à-dire qui nous amène à la docilité de Jésus qui a donné sa vie de son plein gré. Personne ne le lui a prise. Cet agnelé, bien sûr, évoque la Pâque juive. Le prophète Isaïe dit au chapitre 53, verset 7, « On l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Voici l'agneau de Dieu, dit aussi Jean-Baptiste. » Et dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit, « Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang
précieux en sacrifice pour nous. Alors cet agneau qui est là, il est tout à fait inhabituel parce qu'il est vivant et pourtant il semble avoir été immolé. Il y a une plaie béante, une cicatrice d'une blessure mortelle. Bien qu'on ait fait mourir Jésus, il est ressuscité, il a triomphé de la mort et de ses ennemis. L'autre caractéristique surprenante de cet agneau, c'est qu'il a sept cornes. Dans la Bible, la corne est l'image de la force des animaux, de la puissance, son aptitude à combattre. Et le chiffre 7 parle de perfection et de totalité. Cette corne symbolise donc l'autorité et la puissance absolue de cet agneau. Enfin, il possède sept yeux. Dans la Bible, les yeux signifient la connaissance. Et comme il y en a sept, il s'agit d'une connaissance totale, c'est-à-dire l'omniscience de Dieu. Dans Zacharie, on lit « Quant à ces sept, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Les sept yeux représentent le Saint-Esprit dans sa plénitude et dans son action. Et cette apparition de cet agneau immolé, eh bien, déclenche une symphonie de louanges venant des quatre coins du ciel. Christ est là, placé au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Les vieillards chantent la rédemption qui nous est acquise. Le verbe « racheter », « agorazo », est fréquent dans le Nouveau Testament. Il décrit l'acte par lequel on achetait des esclaves pour les libérer et les affranchir. À la croix, à cause du sang de Jésus, le Seigneur a payé le prix de notre rançon afin de nous racheter pour Dieu, des hommes de toute ethnie, de toute langue, de toute race et de toute culture. Le Christ n'est pas simplement un agneau, il est aussi un lion. D'ailleurs, on lui propose de voir un lion et on voit un agneau, c'est-à-dire quelqu'un de qui on n'a absolument rien à craindre. Alors c'est intéressant ces images parce que Jésus est présenté dans le Nouveau Testament comme fils de Dieu, fils de l'homme, Messie, Sauveur, Maître, Rabbi. Ça veut dire que Jésus ne peut pas être réduit à une seule expression, une seule image. Il incarne à la fois, il incarne le lion et l'agneau. L'agneau qui n'a aucune force pour face à la violence du mal, mais qui se livre et qui se donne volontairement. Et c'est cet agneau sacrifié. À cause de ce sacrifice, de ce pardon, qui va avoir la dignité de recevoir ce livre et d'en ôter les sceaux. Alors le sceau, c'est quoi? Le sceau gravé, c'est important. Mais auparavant, avant de voir les sceaux, il faut réaliser que ce livre écrit en dedans et en dehors nous rappelle aussi les derniers versets, l'Apocalypse, où il est dit que la révélation de Dieu, la parole de Dieu, on ne doit pas en retrancher ou en rejeter quoi que ce soit. La parole de Dieu, elle est là, elle est fiable et elle nous est donnée. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette rédemption? Pourquoi j'appelle ce livre lié à la rédemption? Parce qu'il y a deux aspects à la rédemption. Celui du sang, il nous a rachetés par son sang. Et aujourd'hui, nous jouissons de ce salut qui est en espérance. Mais nous attendons tous la résurrection. Il y a l'autre aspect, la rédemption, qui est celui de la puissance du ressuscité. La Bible nous dit que nous sommes dans l'espérance de ce jour de la résurrection. Un jour, nous ressusciterons, Paul en parle dans Corinthiens chapitre 15. Un corps glorifié, semblable à celui de Jésus. La puissance de la rédemption de Jésus n'est pas complète. Vous lisez dans l'Apocalypse tous ces saints de la grande tribulation qui a commencé, bien sûr, avec le premier martyr chrétien, Jacques, et qui continue depuis toujours. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont jamais été autant persécutés dans toute l'histoire. La Porte Ouverte estime à peu près 260 millions le nombre de chrétiens qui souffrent à cause de leur foi. Il est important de réaliser que tous ceux qui sont morts et qui sont, je dirais, qui ont été persécutés, ils sont représentés dans l'Apocalypse, dans cette foule, et qui intercèdent et qui demandent vengeance. Alors, il est question pour nous de réaliser cela. Cette foule attend, demande au Seigneur d'intervenir. Et il va intervenir. Alors, ce livre est scellé.
ça montre la propriété. C'est la propriété de Dieu. Nul ne sait, nul ne connaît, mais on a besoin de savoir. Il y a comme une excitation. Il est scellé cette fois, c'est-à-dire parfaitement, caché. Il est la propriété de Dieu. Ce fait qu'il est scellé montre que on peut avoir confiance dans le texte. C'est quelque chose qui est inviolable. On ne peut pas douter du plan de Dieu ou de ce que Dieu veut. Et les événements qui vont suivre, eh bien, sont importants. Dès que l'agneau prend le livre, il y a une explosion de louanges et il y a trois choses qui vont se succéder. D'abord, la certitude d'une victoire finale du camp de l'agneau. Dans le chapitre suivant, le premier cavalier, le cavalier blanc, représente l'alliance avec Dieu, symbolisée par l'arc qu'il tient dans ses mains. Le peuple de Dieu doit se réjouir de sa victoire, la victoire finale de l'agneau. Ensuite viennent plusieurs fléaux. Il y a un fléau militaire, une autre calamité. Et enfin, il y a la prière d'intercession de ces martyrs, afin que puisse se mettre en place la restauration de toutes choses. Donc il y a d'une part l'assurance de la victoire, ensuite une description des événements les plus tragiques et les plus communs de l'histoire des hommes de tous les temps, hélance commun à l'histoire de toute l'humanité. Et enfin, une intervention de foi venant des intercesseurs, qui sont là et qui représentent l'existence du peuple de Dieu qui attend la manifestation de la rédemption complète. Le premier septenaire, qui consistait dans ses lettres aux sept églises, pose la question « Qu'est-ce que l'Église et comment elle va ?» Le deuxième septenaire de ses sceaux, c'est « Qu'est-ce que l'histoire ?» Et cette histoire nous est présentée comme étant entre les mains de Dieu. C'est lui qui détient le secret et qui en a l'autorité et la puissance. Mais cette autorité, cette puissance est transmise à l'agneau de Dieu. C'est de lui qu'émanera la lumière qui permettra aux hommes d'apercevoir et de lire le mystère de l'histoire de l'humanité. C'est ce livre qui contient le dessein divin du salut. C'est donc le livre de la rédemption, mais c'est aussi le livre du jugement. Le jugement, les jugements qui sont prévus et qui sont annoncés dans la Bible, qui sont déjà là, le monde va être jugé. Il vaut mieux, comme les chapitres suivants de l'Apocalypse vont nous le dire, faire la paix avec Dieu et recevoir ce nom nouveau et ce nom que l'agneau nous donne. Enfin, je voudrais vous dire qu'il est question de l'agneau dans l'Apocalypse. Il est question de l'agneau et de sa colère. Il est question du sang de l'agneau, du livre de vie de l'agneau, du chant de l'agneau, du mariage, des noces de l'agneau, du repas, des retrouvailles et du trône de l'agneau. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? De quoi vivons-nous? Nous vivons l'espérance, c'est vrai. Nous sommes chrétiens, nous sommes sujets aux problèmes de l'humanité. Jésus n'est pas encore revenu. Nous ne sommes pas encore ressuscités. Mais parce que la première partie de la rédemption a été révélée, que nous avons la possibilité d'avoir la paix avec Dieu, la deuxième partie va être révélée. Ce livre qui contient le projet de Dieu, le dessein de Dieu pour le salut, eh bien, va être remis. Le pouvoir a été remis à Jésus-Christ et un jour il va intervenir. La question se pose, est-ce qu'il est déjà intervenu dans mon cœur et dans ma vie? Pierre a dit un jour, Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et dans Jean 24, il est dit, tu nous donnes la paix. Tu nous donnes la paix, cette paix que le monde ne peut donner parce qu'il ne la connaît pas, de sorte qu'enfin notre cœur ne se trouble plus, ne s'alarme plus. C'est cet esprit de Dieu, nous trouvons la description de cette plénitude de l'esprit de Dieu dans Ésaïe 11, versets 1 et 3, où il est dit que c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de conseil, c'est un esprit de connaissance, de crainte du Seigneur et d'une rapidité, d'une rapide compréhension de la crainte du Seigneur. On a besoin de cette sagesse, on a besoin de vivre en relation avec le Saint-Esprit, en collaboration avec le Saint-Esprit,
pour recevoir de lui tous ces points qui sont importants et dont nous avons besoin. Je voudrais aussi vous dire que ce qui est important pour nous, c'est qu'un jour, nous allons aussi découvrir tous les mystères, tout ce qui nous échappe, tous nos pourquoi. Pourquoi ? C'est pourquoi nous n'avons pas les réponses aujourd'hui. Mais ce livre contient ces réponses et Jésus en aura l'autorité. Le jour viendra où il pourra nous expliquer. La Bible nous dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Aujourd'hui, on connaît partiellement, on connaît en partie. Mais je voudrais juste vous rappeler, avant d'aller plus loin, qu'il y avait aussi ces êtres qui sont assez curieux. Ces êtres qui ont, dans le chapitre précédent, qui étaient semblables à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à un visage humain, le quatrième, être vivant, ressemble à un aigle en plein vol. Ces descriptions nous montrent que ces êtres qui sont près de Dieu ont à la fois, et ça c'est important, la royauté du lion, la force du lion, l'esprit de service du taurillon, c'est un jeune bœuf là qui persévérait dans le joug, dans le travail. Ensuite, le visage humain qui nous parle de la perception et de l'intelligence. Et enfin, le quatrième qui ressemble à un aigle. Vous savez que les aigles volent très haut, ils ont la possibilité de vivre, de voir et de percevoir des petits insectes ou des petits animaux avec une précision énorme, et ce qui nous amène à pouvoir agir avec promptitude. Ces êtres perçoivent des choses que nous ne percevons pas, et ils montrent aussi la rapidité d'exécution. Eh bien, ces qualités-là, eh bien, Dieu veut les retrouver aussi en nous. Il veut, effectivement, que nous ayons la puissance et la force et l'autorité du lion, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ. Il veut que nous ayons cette persévérance quand nous portons le joug du service. Il veut aussi que nous soyons et que nous vivions dans l'intelligence et dans la perception. Il veut enfin aussi nous donner la perception d'un aigle, c'est-à-dire le discernement par le Saint-Esprit, et que nous vivions cette force de la rapidité dans l'exécution. En tous les cas, moi je veux terminer en vous disant que nous sommes dans un moment de culte où nous voulons louer et adorer l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est comme immolé, qui reste là, celui qui par son sacrifice, par son don, a triomphé du péché, du mal, de Satan, nous ouvre non seulement les portes du ciel, mais la possibilité ici-bas, sur cette terre, de vivre dans cette paix, dans ce rayonnement. Vous l'avez remarqué, tout le monde loue Dieu, tout le monde adore Dieu. Ceux qui approchent Dieu et son trône, et ceux qui se laissent impressionner par Dieu, eh bien, sont des êtres qui ne vivent plus dans la crainte des hommes, mais qui vivent avec la réalité de la puissance et de l'autorité de Dieu, et qui vivent sous la grâce de Jésus, l'agneau de Dieu. Il nous a rachetés pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et il a fait d'eux, nous dit ce passage, pour notre Dieu, un royaume, des sacrificateurs, ils régneront sur la terre. Notre avenir est glorieux, même si le passage est parfois difficile. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les anciens tombèrent pour se prosterner, et les amis chrétiens qui sont là et qui écoutent ce message, eh bien, disent aussi Amen. Soyez bénis. Alléluia, un chant s'élève pour toi, Alléluia, oui pour toi.
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit. Ô Jésus, toi seul, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, pour l'éternité. Pour l'éternité. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout puissant, c'est toi que mon cœur désire. Oh, je n'aurai pas d'autre. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Oh, à toi, Seigneur, j'offrirai sacrifice. À toi seul, Jésus, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Oui, Jésus, à toi, Seigneur, nous offrons encore ce matin notre sacrifice de louange. Merci, Jésus. Seigneur, que cette louange soit comme un parfum de bonne odeur, Père. Merci pour toute ta compassion pour nous, pour toutes tes grâces envers nous. Merci parce que chaque matin, Seigneur, tu te renouvelles. Merci, Seigneur, parce que tes bontés sont sans limite. Alléluia. Merci, Jésus, parce que tu es un Dieu qui se renouvelle jour après jour, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te disons merci ce matin encore. Merci, ô Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous glorifions ton précieux nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni l'Éternel, mon âme. Béni l'Éternel, mon âme. Chante-moi. Béni l'Éternel, mon âme. Béni, béni l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Béni, béni l'Éternel, mon âme. Béni l'Éternel, mon âme. Béni l'Éternel, béni l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, écoute sa voix. Il n'est que ta foi dépassera toutes les montagnes. Oh, c'est vrai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et peu m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Béni l'Éternel, mon
t'en as pas les circonstances. Alléluia. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Je bénis ton nom. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, écoute sa voix. Il dit que ta merci Daniel pour ce message, très encourageant, très édifiant comme d'habitude. Voilà, si vous voulez également plus d'informations sur ce message, n'hésitez pas à consulter les études bibliques qui ont été réalisées par Daniel justement sur l'Apocalypse et qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Notre culte arrivant à son terme, j'aimerais terminer justement par deux petites informations. La première et la plus importante, c'est la reprise des cultes en présentiel dans notre salle de culte située au 14 rue Richelieu. Voilà, vous avez la possibilité d'assister à ces cultes librement, moyennant justement une petite inscription sur le site internet de notre église, tout simplement. Voilà, la seconde information également, c'est la reprise des études bibliques sur le livre de Job qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube également. Pour terminer, vraiment, j'aimerais remettre ce temps dans les mains de Dieu, remettre cette journée et cette semaine à venir. Si vous le voulez bien, prions ensemble. Père, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble ce matin, dans ta présence. Vraiment que nos cœurs soient transformés, soient renouvelés justement par ton amour, par ta grâce, par ta joie, Seigneur, pour le restant de cette journée, mais également pour la semaine à venir. Et vraiment, je te remets chaque personne qui a pu visionner justement ce culte, qu'elle puisse vraiment avancer avec courage, avec force, avec conviction, Seigneur, et avec discernement dans chacune des activités, que ce soit le travail, que ce soit les vacances, Seigneur. Et voilà, que tu marches au-devant de nous, Seigneur, sur chaque étape, Seigneur, qui va composer chaque jour de notre vie. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée et une belle semaine à venir. Soyez bénis, à bientôt.